Et bonsoir à toi YouTube sur cette vidéo de la True Talent Cup édition numéro 16, donc Dirt 16, faite par Parelion. Donc c'est trois longues maps cette fois-ci. C'est pas en général on a 5 maps, mais là ce sera trois maps un petit peu plus longues. C'est pour ça qu'il y a peut-être 6 warm-up au lieu de 5. Et du coup on va camset un petit peu pour découvrir cette map. En attendant. Attendant, voilà. Très bien. Et je rappelle le principe, c'est des rounds sur des maps que personne ne connaît. Et à chaque fois, les derniers se font éliminer. Donc là, on aura 6 éliminés jusqu'à 150 joueurs. On a les informations en haut à gauche. Et ça part. Un petit looping sur une map dirt. Intéressant. Un deuxième looping sur une map dirt, intéressant. Et ouais, on voit, c'est une map qui dure un peu plus long, je dirais une 15. Ah, c'est long, hein, Tetch. Un petit bout là. Une 20. Taper dans les une 20 là. Wild style. Non mais c'est toujours sympa de voir un petit peu des... Fais pas un petit looping, ça fait plaisir. Ah mais c'est un drift ça. Non, non, ça passe full speed. Bon, je crois que je me souviens d'à peu près tout. Mais oui, ça passe full speed. Je dois y aller, je regarderai la VOD. Bonne chance et check TMP Discord dans la soirée. Ouais, pas de soucis, Enix. J'irai checker après le live. Très bien. En premier round, tout se passe bien pour l'instant. J'ai oublié. J'ai oublié, mais c'est pas si grave. J'ai peur qu'on ne passe pas au-dessus du trou, mais c'est tout bon. Et là, on a de nouveau un looping. Ah, je l'ai mal pris, il faut prendre externe. Ok, tout se passe bien, j'ai eu peur du mur. Et là, le jump dans la fin. Hop! Et bah, très bien. C'est. Ouais, une. J'avais call une 20, mais c'est une 12 finalement. Et oui, on est toujours 180. C'est une 24 heures d'heure. Bah, je crois qu'ils ont augmenté un petit peu. D'habitude, c'est 5 KO, mais je suis pas sûr. Ah, il y a un safe in, c'est bon à savoir. Et du coup, le but, c'est pas de finir premier, hein. C'est de ne pas être dans les derniers. Et là, on voit déjà. Oula, l'heure qui a eu de la peine. Quelques joueurs. Mais on a le temps de terminer. Hop. Cliquez ailleurs. Bah, 50 Nico! Il bouge pas! Non, mais attends. C'est du hint. Il m'a dit juste avant, ouais, mon but c'est de passer la première map et il bouge pas. Alors ça peut peut-être durer un petit peu plus longtemps, effectivement. Que d'habitude, vu la longueur des maps. Je sais pas. Ah, trop interne. Bon, en soi, faut juste terminer. J'ai perdu un peu de temps, je suis 99ème. Mais sur 172, bon.
Donc dans les premiers rounds, on a tout à fait le droit à l'erreur. Tant que c'est pas des erreurs qui nous coûtent un respawn ou quoi. De toute façon, il y a des gens qui vont rater le finish. Il y a de tout. Il faudrait que je prenne une autre trage ici, je pense. Hey Yozolol. Il a pas vu le save fin. Ah ouais, il y a moyen. En fait, il a fait le fin là. Il a respawn, il a retenté. Et il se dit, bon bah, peut pas finir. Alors que non, il y avait un petit finish ici. Top 172, il est possible de tenter la map en backward. Je pense qu'il y a des limites. Je pense pas, Korch. Pour répondre premier degré, je pense pas. Et du coup, on a Zolafen, Muzak, Alpha et Chillaze, Sparkling Water et Ivan qui sont out. Hey yo, 50 Nico, comment tu vas? Oh, Snatix. C'est barré. Ouais, ils prennent tellement exter. Quatrième. Ah, Firestorm et Riolu qui sont loin devant. Il n'y a que sur Twitch que tu peux ne pas voir de tasse. Ah oui, c'est vrai que YouTube ne voit pas la tasse. Alors que sur Twitch, vous pouvez la voir. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Bon, bref. J'étais bien, en plus, je suis trop deg en vrai. Ça arrive. Mais c'est dommage, t'as pas vu le film? Je l'avais pas vu, j'ai envie de mourir. Ah oui. Regarde, finish line. Hop. Je la vois clairement. Merci. Elle est même pas verte, Mout. T'as mal vu. À part ça, le boudin aurait pu me repousser beaucoup plus méchamment que ça. Qui il a dit Better Network wins.
Putain, mais les gens qui écrivent dans le chat, je comprends pas. Genre, tu fails une fois, c'est jamais mort. Genre là, j'ai fail. Je veux dire, oh fuck, non. Bah non, tu continues à rouler. Never give up. C'est une technique TGN. Il a Dell en fait. Ouais, mais pourquoi Dell? Bon, Waza à la limite. Mais là, tu vois, Casper, il a mis feu. Je pense qu'il s'est arrêté de jouer. Il est peut-être in. Hein. Il écrit peut-être en se disant qu'il a le temps de finir. Bon, à part ça... Ah, mais il y a un bug. Ah, ils mettent par rapport au dernier. Ah, c'est stylé. Il n'y avait pas ça avant. Maintenant, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent le temps ici. Du 154e. Et ils mettent la différence qu'ils ont. C'est pour ça que j'ai vu 2.5, genre. Genre 2 secondes et tu t'es éliminé. Mais pas du tout. Et salut à toi, Eri. Prendre ce poteau, il est vraiment dans la trage, quoi. Pour l'instant, c'est une petite balade. Ouais, c'est le dernier round de cette map. Après, on passera sur la prochaine map. Mais le truc qui est bien sur ce genre de map, c'est... Vu que je suis pas vraiment un joueur dirt, les vrais joueurs dirt ont plus de... Enfin, vont peut-être plus risquer et du coup faire des erreurs. Dukem, Lurk, Morpeo, Diablax. Ah, des joueurs quand même... Pas des joueurs dégueulasses au jeu qui sont out. Bah Korsh, si tu mets la cloche, tu t'abonnes forcément. Enfin c'est une suite logique, tu vois. Enfin, tu peux pas faire l'étape 2 sans avoir fait l'étape 1. Bon bref. Rien compris, Vossil. Je suis pas sorti map 1 YouTube. Par contre, un 12-27, j'arrive. Ah, je suis pas sorti map 1. Par contre, un 12-27, j'arrive. Ok. Je suis pas sorti map 1. T'es pas dernier sur la FLC, si? Tu parles à qui? Ah, tu parlais à 50 Nico. Très bien. Alors, prochaine map. Là, encore une fois, on cam 7 pour avoir une petite idée de la map. C'est dangereux ça.
Ah, ça, j'aime pas trop. Je connais pas du tout cette line en fait. C'est stylé ça. Dans le souterrain, un turn comme ça. C'est trop stylé. Ça fait un peu comme si du sable s'était enfoué dans le souterrain. Bon, bref. Paf. Putain, mais vraiment les maps longues comme ça. Ok, il y a un hard fin ici. Si on arrive à avoir la speed pour rouler là-dessus. Et ensuite, pep. Très bien. Bah ça part. Les maps ont l'air très longues. Alors oui, en fait, il y a 3 maps au lieu de 5. Parce que les maps durent beaucoup plus longtemps que d'habitude. Habituellement, on est sur du 40 secondes. Et là, on est sur du 1 minute 20. Ah, j'ai pas la trage. Ok. Ça peut peut-être passer sans rouler dessus. Tu vas la passer, oui, c'est une... Bah, j'essaye de gérer un peu mes gears, mais je suis pas du tout un joueur d'heure, donc j'apprends encore. TTC sur Mania Cisco la prochaine fois. Il y avait eu une édition TTC où c'était sur une map de d'à peu près 3 minutes. C'était une map d'Othron d'ailleurs. Et ce qu'ils avaient fait, c'était qu'il y avait par exemple, on était 180 au début. Et il y avait genre 20 éliminés au premier round. Ensuite 15, etc. etc. Jusqu'à avoir genre un top 10 où à partir de 10 personnes, il n'y a plus qu'un éliminé par round. Des trucs comme ça. Ils ont testé des trucs et c'était sympa en vrai. Ah, cette trage, je suis perdu. Faut prendre le triangle, j'ai compris. Est-ce qu'on est obligé de rouler là-dessus? Je suis pas sûr. Est-ce qu'on peut peut-être passer genre jumper là en fait? Parce que moi je vais là pour rouler là-dessus, mais j'ai l'impression que ça peut fonctionner si on est vraiment au milieu. Mais j'ai peur de tomber là, comme un débilos. Elle est longue la map. Bah c'est ce que j'ai dit, c'est des maps de une entre une et une 10 et une 20. Et c'est que 3 maps au lieu de
au lieu de 5 maps de 40 secondes à peu près. Ah ouais, mais là. Là, il y a une guerre à choper. Hein. Regarde un peu les trashs des gens. Ouais, Firestorm. Oh, c'est sympa de rouler avec les gens. Et là, du coup, triangle. Bah oui, c'était sûr. Ouais, on peut jump par-dessus tranquillement. Autant essayer maintenant qu'en top 20, non? Ouais, mais dans tous les cas, ça change pas grand-chose. TTC édition Karzan. Franchement, c'est sympa, ça fait un petit train, je trouve. Et je sais pas si Atox participe. Vous avez croisé Atox? Très bien ça. Oh, j'ai risque. Bon, dans tous les cas, on va essayer de faire des rounds où on fait pas de grosses erreurs. On verra tout simplement jusqu'à où ça nous mène. Alors, du coup, j'ai fait ce que tu m'as dit, Marfelous. Et ça passe, mais il faut... Ouais, c'est mieux de jumper à gauche, quand même. Il faut mieux la cam éloignée ou la proche en dirt. Ça dépend de ce que... Ça dépend le feeling. Il y a des joueurs dirt qui jouent avec la cam 1, d'autres avec la cam 2, d'autres avec la cam 3. Enfin, c'est vraiment... Les caméras sur Trackmania, c'est... Selon l'envie. Simplement ce qui te convient. Moi, je suis habitué à la cam 2, mais de plus en plus, je commence à switch. Des fois, je mets la cam comme ça, je sais pas pourquoi. Pour la visibilité, principalement. Là, tu vois plus par exemple, vu qu'elle est un petit peu plus haute, t'as plus de vision, mais c'est une préférence.
Ok. J'ai un peu gris de la fin. C'est dommage, je crois que j'étais 7ème tout le long. T'auras pu backward turtle. Ah ouais, en gros, j'ai... Si tu sors ici, tu peux garder pas mal de vitesse. Mais du coup, vu que la terre te pousse vers la gauche, bah j'ai que jump. Mais j'aurais dû me rendre compte plus rapidement que je pouvais pas aller jump à droite et prendre le safe in. Départ à 20 secondes de retard, ah merde. Moi ça m'arrivait, il y a une TTC Dirt où je partais des fois avec 9 secondes de retard. Et apparemment on a une map de 1,26. Donc map un petit peu plus longue que les deux autres. Les deux autres étaient en 1,12 et 1,16 je crois. Donc ça c'est sympa, ça c'est original hein. Moi j'ai rarement vu ça sur des maps. Après là je vais me dépêcher un peu parce qu'on a que 4 warm-up. J'ai bien envie de voir un petit peu toute la map. Ça doit pas être très agréable à regarder, mais je m'excuse. Quoi? Tu peux prendre ça et jumper? Aïe aïe aïe! Bon, ça devrait bien marcher. S'il l'a utilisé, c'est que ça marche bien. Oh, les gears ici. Ah, ça doit faire mal aux oreilles. Réponse dans 1 minute 20, exactement. Mais what the fuck? J'étais deuxième. Là, c'est intéressant comme style de mapping. Mais ça, dès qu'on est 30, je suis out. Hein. Ça passe. Il n'y a vraiment pas de speed, tout est dans la gear, c'est ça. Et ouais, c'est dur pour moi. Mais... ça m'entraîne et c'est pas plus mal. Ça me brûle. C'est agréable à regarder. Oula!
Regardez quelqu'un qui perd sa gear à tous les turns, je pense pas que c'est agréable. Après, si tu t'en rends pas compte, ça va. Pas de la performance. Ouais, tu... Ouais, très bien. Ouais, mais ça va ensemble. Tu dis regarder, mais tu regardes... Tu regardes pas la map, tu regardes le joueur. Enfin... Bon, bref, ça va. J'abandonne. Je dois pré-shot la cam 2 pour passer dans le CP. Après là j'ai fait une bonne erreur. Non, en vrai je peux... J'essaie de me concentrer après. Le petit parasol sur le côté. Ah, j'ai pas vous. Ah mais ça là, c'est pas de base. C'est de base dans les blocs, non? Et yo Valpo. Moi c'est le début là que je pige vraiment pas, genre. Sage. Ça, je crois on est tous dans la même merde, mais... Ah ouais, non... Est-ce que je devrais plutôt faire ça? Mais ça, cette transi, elle est horrible. Là, il y a un petit bump. Bon, je pense qu'il a pas trouvé de meilleur moyen. Alors plaisant à jouer? Pas vraiment. Bah pour moi qui sais pas gérer ma gear, c'est horrible. Genre ce genre de turn là. Tu vas passer la gear et tu dois tourner. Là tu vas passer la gear, tu dois tourner. C'est des trucs comme ça... qui te... Ici, ici. Et ouais, les demi-tours aussi, tu peux... Je sais pas s'il y a des trickpads... certains endroits... qui peuvent être... de faire gagner pas mal. Je vais suivre un peu les gens.
Hey Firestorm! Qu'est-ce qu'il fait? Bon, y a du monde derrière, je m'inquiète pas trop. Passage entre les CP quand il n'y aura pas le droit au fait. Ouais. Mais à la limite, tu peux passer externe. Là, je passe dans le CP, mais la plupart des gens, ils passent là et là, tu vois. Tu perds pas tant que ça à passer extérieur. Tout l'enchaînement ici, j'aime pas. Ouais, non. Ah, elle est vraiment... les deux autres, j'aime beaucoup, hein. Mais celle-là est vraiment particulière. Et puis ça... Aucune idée de quoi faire ici. Toi, tu t'es arrêté, musique. Ouais, la musique s'est arrêtée comme ça. Le problème, c'est quand on retournera sur cette map, il y aura déjà bien moins de gens. Mais c'est juste la troisième map, hein. Les autres sont agréables. Mais il a tenté un truc, faut pas lui en vouloir. Ah, Shorty, il dit justement, maintenant il aime pas la map 1 et 2, parce que la map 3 est vraiment fun. Mais pour un joueur, Dirt, c'est compréhensible, hein. Je sais pas si je serai encore là quand Riolu sera dernier, alors je le lâche maintenant Riolast. Non, je pense Riolu, il est très bien parti pour faire un top 3, je dirais. Après, il me semble que ça fait quelques TTC Dirt où il fait des erreurs assez bêtes en milieu de cup. Une fois, il s'était retourné, l'autre fois, je sais plus. Il a peut-être gagné celle d'avant, en fait. Et je dis de la merde. Il y a juste ça, juste ce poteau là. Je sais pas ce qu'il fout là. Mais ça, j'avais déjà dit avant. Mmh.
Jouer avec les voitures. J'aime bien, c'est sympa. C'est communautaire de jouer avec les voitures. Bon allez, je dis le dernier 1v1 entre Firestorm et Riolu. Parce qu'ils font que ça, ils font que de faire 1 et 2. C'est forcément que ça va finir en 1v1 à la fin. Jouer avec les tutures mais sans les pseudos. Oh. Ok, prochaine fois. J'ai quasiment jamais joué sans les pseudos. Comme ça, c'est mieux. Ils prennent pas tous Exter. Intéressant. C'est bouffé un boudin là. Oula. Aïe aïe aïe. C'est pas une bonne idée de jouer avec les voitures. Je vais pas jouer avec les voitures. Ouais, si j'avais perdu... Bah du coup, on sait pas combien de secondes j'ai perdu. Ah, c'est un peu chiant leur plugin, en fait. Parce que je sais pas quel temps j'ai fait, alors je peux pas me référencer par rapport au dernier. Ouais, techniquement, on peut, mais c'est chiant à calculer. Bon, je vais plus externe, mais interne, mais je crois que j'ai perdu une gear dans le lot. Ouais, j'ai dû fail un gros truc. Mais là, j'ai une run plutôt potable, et je termine 1.3 secondes derrière. Il me semble pas avoir fait de grosse erreur. Enfin, d'erreur, mais... Ah, Raistlin, hein, il était close. Et Skendir aussi.
Je me disais peut-être qu'en prenant Exter, je perdrais moins de temps, mais... Non, 0.5 là. Ah, ça c'est mieux. Et là, est-ce que je vais chercher le bleu ou pas? Ah. Je viens de manger alors cette TTC. La map numéro 3, si on va la revoir. Enfin, on va la revoir. Même si, si je suis en spec. Elle est vraiment particulière. Mais tu verras ça, Kaito. Spam prendre bleu. Ouais, ok. Mais c'est juste un choix, genre, c'est pas... Ouais, bon, ouais. Non, ma question, c'était plus, est-ce que ça me convient de prendre le bleu, ou est-ce que je préfère ne pas prendre le bleu? Mais je pense que c'est plus rapide de prendre le bleu. C'est un peu plus risqué le bleu parce que tu peux sortir trop à gauche et taper le mur où il y a le bleu justement. Bon, on verra ça après. Déjà, ne pas perdre 0.8 sur le start, ce serait mieux. J'ai refait à peu près la même chose que quand j'ai fail. Mais j'ai assez bien recover. C'est quand même chaud de perdre 0.3 au premier CP. Bah en fait c'est la toute première descente dirt. Tu peux bien mieux la prendre que moi. Genre je pense si tu vas chercher Exter. Je sais pas. Moi je la prends vraiment mal. Et même ce turn, je release pour pas taper ce boudin là. Et ça, plus ça, plus ça, plus ça, ça fait que tu perds 0.3 au premier CP. Ouais, elle est compliquée cette map. Hey yo, baba. Et on passe du coup à la deuxième map. On aura peut-être la pause après la deuxième map. On verra. C'est le top combien à la fin avec un éliminé par round? Alors, il n'y a pas qu'un éliminé. Regarde ici, en haut à gauche de l'écran. T'as toutes les infos. Donc, on est actuellement à 20 rounds. On est 72 et il y a 4 éliminés par round jusqu'à 60 joueurs. Ensuite, à 60 joueurs, on sera à 3 éliminés par round. Et là, il y a une gear très importante. Au début de l'off-road, je dois passer une gear, sinon je suis fucked up pour tout le reste. Tout le reste de l'off-road. Genre là, je... Si je continuais mon run, là, j'étais foutu. Vous êtes combien au début? On est 180. On
On était 180 à 20h. Et ça, c'est tous les jeudis. Tous les jeudis. C'est à mon avis mieux d'aller prendre inter poteau, c'est plus rapide, mais beaucoup plus safe de prendre exter. Et je dois pas perdre des masses là-dessus. Et là, le triangle du CP qui peut faire un petit peu peur. H2 GTA. Attends, oui, mais ma question c'est top combien quand il n'y a plus que qu'un éliminé par round? Bah, on fait jusqu'à qu'il n'y en ait plus qu'un. Ah, c'est à partir de 20 joueurs, pardon. Ah, j'ai compris la question, mais si tard. C'est à part. Là, par exemple, il y a 4 éliminés jusqu'à 60. Ensuite, il y aura 3. Ah, mais ils ont changé un petit peu. Ils ont changé vu que c'est des maps plus longues. Normalement, c'est 2 éliminés jusqu'à. Non, 3 éliminés jusqu'à 60. Et ensuite. Ouais, je sais plus, j'ai la flemme. Ouais, c'est assez spécial vu que c'est des maps plus longues. Mais je pense que du coup ils font 3 éliminés jusqu'à 20 ou 30. Et après 2 éliminés jusqu'à 10. C'est ce qui me semble le plus potable, mais ça dépend de leur plugin. Ok, on peut ne pas toucher le dernier truc. Mais c'est vraiment si on a de la speed. Une fois que je tente le risky finish, je me retourne à 5 cm de la ligne. Ah, rip sur cette map là? C'est une TTC spéciale Dirt. C'est ça. C'est une édition Dirt. Et il y a des éditions Tech, il y a des éditions Full Speed. C'est une édition Dirt. Spéciale map longue. Donc 3 maps de 1 minute 20 au lieu de 5 de 40 secondes. D'ailleurs, je préfère quand c'est 40 secondes. Parce que je me fais beaucoup moins distancer sur sur une plus courte distance, je me fais moins distancer. Ce qui est assez logique. Ah, j'aurais dû passer. Tourner trop vite. Après, je me débrouille.
Cinquième. En vrai, j'ai trouvé horrible à rouler ça en TTC, mais les maps sont tellement travaillées, je trouve ça sick. Tu mets des maps du genre en compétition full train, ça doit être trop cool à rouler slash regarder. Quoi ton meilleur résultat à une TTC? J'en ai gagné deux ou trois. Sinon, j'ai fait des deuxièmes et des troisièmes et quatrième plat. Mais j'ai jamais gagné une édition d'heure. Parce que c'est pas du tout mon environnement. Alors qu'une tech, ce serait beaucoup plus simple pour moi. Mais mon meilleur résultat en dirt, c'est 3ème. J'ai aussi fait 5ème la dernière fois. J'ai fait deux fois 5ème et une fois 3ème. En dirt. Mais là, sur des maps plus longues, je pense que j'aurai un peu plus de peine à suivre les gens. On verra. Au moins, t'es régulier, t'es pratiquement toujours top 5-10, si ce n'est pas mieux. Ah, ça va. On parle de la star. Bah, la star qui est jamais là, ouais. MDR fan 2. Et Marius qui est out sur la dirt. Et Space! Ok. Sûrement un bug. Ouais, là pareil, je perds 0.4 sur le premier CP. Alors que ça, c'est bizarre, ça arrive pas sur les autres maps. Pas les autres maps d'heure. Je sais pas. Peut-être pas assez concentré. Hein. Ah mais là j'ai eu du gros airtime, en vrai c'est ma faute. Ah j'ai fail mon star. Derrière, tu tiens plus ou moins. Si tu réussis le début des maps, tu fais top 5 régu. Ouais, ok. Ah, mais y'a. La prochaine map. Je pensais pas tenir aussi longtemps. Ah, c'est vrai, t'as tenu un bon moment. Lulu, t'as lu. Il nous fait la disco. Même quel cauchemar à gérer avec les gears par contre. Ah mais c'est horrible. Oh Doc qui est out et 2DK. Putain. Ah mais il y a la pause de 5 minutes. Petite pause de 5 minutes. Vous avez le temps restant en haut à gauche. Là on est à 4 minutes 40. On peut discuter un petit peu. Mais ouais cette troisième map qui est vraiment particulière. Où c'est un petit peu du wild dirt j'ai envie de dire. Parce que t'as un peu de bloc mix, etc. Mais c'est du bloc mix réfléchi, hein, vraiment. On voit que c'est pour donner la trage au prochain turn, etc. Après, il y a des montées, des descentes, des trucs assez compliqués à gérer au niveau des gears. On va faire ce qu'on peut.
Barre-toi qu'on fasse les crabes. Non, non, non. Je vais rester là et discuter. J'irai me faire un café pendant la pause d'Ori, je pense. D'ailleurs, Alexis, tu sais, quand on a fait hier le chat Twitch qui joue à ATM, est-ce que tu penses que c'est possible d'enlever le mode justement qui puisse pas spammer deux mêmes messages? Ou c'est vraiment sur Twitch, c'est pas possible pour tout le monde? Faudrait mettre tout le monde en VIP à la limite, mais j'ai la flemme. Tu vois l'idée? Je vais voir. Ouais, si tu peux te renseigner là-dessus, ce serait cool. C'est possible apparemment, donc... si on pouvait faire ça. Out au même round que Mario, c'est après Jean-René, j'ai réussi ma vie. Il y a Space aussi, qui s'est fait out en même temps que toi, fan de Vasile. Ouais. Bon, bref. Putain, je plouc, qu'il était close. Je vois ça que maintenant, mais... Je plouc, là. Ski Space. Je sais pas si c'est un joueur pulse, mais il me semble qu'il est bon en dirt. Même très bon. Capitaine de la Team Pulse, très bien. En fait, j'ai stop sur le finish, du coup, j'ai fait out, sinon j'étais in. Ouais, fallait prendre le safe. Nope, pas eu de bug. Bon, stone un peu avec Tricky, je sais que vous pouvez pas voir, mais c'est rien d'intéressant. J'avais choke juste avant, donc je pensais que j'étais obligé de risquer. Ouais, je sais pas à combien t'étais derrière. Mais tu sais, là, les gens, ils finissent à 8 secondes. Si t'as choke, tu perds... Je sais pas combien de temps t'as perdu avec ton choke, mais... En général, tu perds pas forcément 10 secondes, tu vois. J'étais 56 au CP. Ouais. Bah on était 70 à l'époque. Ou 65 je crois. Mais t'avais forcément 3 mecs qui étaient 10 secondes derrière. Je me dis. Enfin bref. Tu vois là le 48ème. Il avait beau être 48 sur 57, sauf qu'il avait en réalité 4 secondes d'avance sur le 55. Bon, allez hop. Hey Yonals. Et du coup on redémarre après cette pause sur la map numéro 3. Map assez compliquée. Ouais, tu vas voir à la mon que mes gears elles sont douteuses. Rien que la première montée, je. Comment tu t'en sors pour l'instant? Mon seul problème c'est cette map là. Genre cette montée là. Genre, j'ai vraiment l'impression d'être nul. T'as dit 70 alors que t'es suisse.
Alors non, c'est pour pas qu'on se foute de ma gueule, mais en général, je dis 70, 80, 90. C'est juste que à chaque fois que je dis 70, les gens sont en mode ah, 70, MDR. Du coup, je m'y suis fait et je dis 70. Mais du coup, t'as des mecs qui viennent te dire, hey, tu dis pas 60, tu dis pas 70. Incroyable. Et il y a des parties de la Suisse, je t'apprends un petit peu, mais il y a des parties de la Suisse où ils disent 80, etc. Typiquement à Genève ou Neuchâtel. Mais par contre, cette transi, elle est horrible. Aïe. Ouais, typiquement la guerre ici. Et ça, je sais pas. Mais bizarrement, c'est la map où je finis quatrième. Octante, aussi à des endroits, non. Pas du tout. On n'a jamais dit octante de notre vie. Dans aucun endroit, on dit octante. Dis-leur d'aller se faire foutre, sinon. Non, je me suis habitué. Ça me dérange pas de dire... dire 80, moi. Aïe, aïe, aïe. Ouais, c'est pas ultra naturel pour moi de dire 70, 80, 90, mais... Je sais pas. Si je voyais un Suisse dire 80, j'irais pas lui dire en mode, mais pourquoi tu dis ça en fait? Genre... Il dit ce qu'il veut. Je sais pas. Ah mais cette gear, il faut que je prenne plus externe le turn. En vrai, je trouve ça triste de devoir changer pour les cons de français. Tous les endroits où j'étais en Suisse, ils disent les chiffres en FR. T'as pas dû aller à beaucoup d'endroits, Zalus. Parce que vraiment, je pense 70% de la Suisse dit 70. En tout cas, pour la partie romande. Francophone, je préfère.
Non, je sais pas comment faire. C'est vraiment juste cette guerre-là. Enfin bon, la fin, je pense pas qu'on peut la choper. Je trouve que les chiffres en FR, les nombres en FR sont moins logiques. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est beaucoup plus logique de dire 70, 80, 90 que 70, 80 et 90. Mais ça, on a déjà eu le débat des milliers de fois et tout le monde est d'accord. Et la guerre horrible. Ah bah, j'ai compris. Faut trickpad. J'en avais parlé avec un Français un jour, il osait défendre l'idée que les nombres FR sont plus logiques. J'ai fini par abandonner. Ouais, faut pas. Non, t'as pas d'argumentation. Soit t'es débile, soit t'es pas débile. Y a aucune argumentation pour dire que c'est plus logique. Ah, elle passait pas. Toujours dit 70, 80, 90 et non 80. Alors oui, Yod, justement, t'as des endroits en Suisse où certains disent que 80. Typiquement à Genève, je crois qu'ils disent que 80 et pas 70 et 90. J'ai pas d'explication. Ils sont un petit peu intelligents. Je sais pas. Après, c'est juste une culture, tu vois.
Je dis intelligent, mais je rigole. Hein. Déjà que j'avais un start dégueulasse. Ah, elle est compliquée cette fin. Là, j'avais pris une bonne trage au début, sauf que j'étais trop inter du coup. Ouais, que je tourne plus tard. Liche de merde. T'as qu'à prendre le safe. Hein. 50, tu peux pas insulter le finish. Alors, t'as juste pas assez camset. En plus, il est vraiment bien expliqué. Moi, j'aime pas ce turn là. Et je pense que ça me coûte. Ah non, ça va. Ça va vite fait, je suis quand même 32 et je peux faire 33 maximum. Après, il y aura encore des chokes, donc je devrais être... Ça devrait aller. Avec ses banking, il y a quelques chokes, je pense. Donc là, je vais prendre ma trage. Et je passe sur le bleu. Ouais, ok, ça c'est bien. Ça c'est good. Faire mes courses à Crissier demain matin, j'ai l'impression de me préparer pour une mission incroyable. Enfin, j'espère qu'il y aura, des trucs. Putain, Taurus à 91 millième. Et Siré out 36e. Oh, j'ai eu la gear. Sur. Allez, je rate pas ça. Je prends externe et on va voir combien de temps je perds sur une trage inter. Oh non, non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je suis juste pas d'accord. Ça a slow down. Ah, c'est triste. Ah, c'est sûr, je suis out. Aïe. Ouais. Bon, après, il y en a qui peuvent rater la fin, mais... 3 personnes, ça m'étonnerait. Ouais, je la rate en plus. Oh, ce slowdown! Ah! Bah, c'est pas si grave. Je reviens, il meurt. Non, mais j'ai grid la transi, je pense. Ça me dérange pas. GG quand même. Non, pas vraiment GG. J'ai juste été à chier. Mais ouais, là, ils prennent inter. En fait, ce que j'ai fait, je pense Azix va le faire. Ah, on le voit pas. Ouais, Scandir l'a fait aussi. Sauf que je l'ai beaucoup plus prononcé.
Et du coup, je suis raterré sur la tranche. Parce que j'ai voulu grid le airtime. Et quand tu raterris sur le côté vertical de tes roues, tu slow down. C'est un peu triste, mais bon. Qui est dernier? On a DJ. DJ, Étonnant? Ah oui, il choke encore après. Joueur dirt. Hein. Ouais, slow down. Hey yo, wind. Rocket, il est où? Il est là. Rocket qui était avant-dernier au run d'avant. Ça peut un peu lui mettre la pression. Ouais, c'est triste de slow down avant un looping. Parce qu'à la limite, si j'avais slow down. Je sais pas. Voilà. Pressant une annonce de la Confédération demain d'ailleurs. Il y a déjà eu mardi à 15h. Moi j'ai fait ma réserve de liquide. Je vais faire mes courses une fois tous les 3 jours. Moi c'est bon. Hein. Moi je peux. Moi je suis bien. Il faut juste que la COP reste ouverte. Enfin le... Oh, Azix! Ouais, mais. Il est large. Ah non! Putain, je suis bloqué en cam 7. Et merci beaucoup, Nals! D'offrir un sub à Wind. Merci beaucoup. Et du coup, Azix, c'est un des meilleurs joueurs français Dirt qui est out. Tristou. Je suis coronet, c'est la mort de sortir. Non, juste tu sors pas en fait. T'aimes pas, c'est la mort de sortir, c'est tu sors pas. Je vais pouvoir SR. Y a pas souvent le SR depuis YouTube. Une semaine que je suis pas sorti, et ben rien de bizarre en fait. Moi juste pour les courses. Après je suis allé en ville dernièrement, je voulais acheter du café vanille. Parce que j'ai plus de café vanille, mais Nespresso était fermé. Ah c'est vital, mais bon on fait avec. Pas de café vanille du coup. Tu cloîtrais chez moi, mon voisin me donne ma bouffe. Bah parfait. Et bah tout va bien. C'est quoi ton secret pour être bon? C'est 10 000 heures de jeu. Que 3K dans les Ardennes et déjà de base il n'y a personne là-bas. Je sens que ça va devenir the place to be en cas d'apocalypse zombie. Ouais, c'est trop sympa un voisin qui t'aide. Moi j'hésite parce que bah, j'ai des personnes âgées qui habitent en dessous. Puis je me dis tiens, ce serait sympa d'aller leur demander s'ils veulent que j'aille faire leurs courses. Sauf que plusieurs fois, je l'ai vu en bas du bâtiment. Et je lui ai déjà demandé, ouais, vous voulez que je porte vos courses en haut parce qu'elle avait l'air trop galérée. Et puis elle dit non, non, c'est bon et tout, genre. Je crois pas qu'ils veulent trop d'aide. Ils ont l'air un peu en mode laissez-nous tranquille. C'est mon meilleur pote, ça aide. Il est vrai.
Ils ont eu peur. Mais non, mais on demande gentiment si, mais même tenir la porte de l'entrée, tu vois. Parfois, certains n'aiment pas se faire aider. Bah aussi, c'est une forme de... Tu sais, t'as pas envie d'être... je sais pas. Moi, en vrai, j'aime pas trop qu'on m'aide. Je suis un peu ce genre de personne, moi. Vous voulez que je vous aide à mourir, madame? Non, non, ça va, tranquille. Pourquoi que je vous aide à mourir? Juste porter les courses parce qu'elle habite au premier étage. Enfin, au deuxième étage. Non, au premier étage, c'est juste. Tu montes d'un étage. Et y a pas d'ascenseur. Tu verras dans un mois. Ah, tout de suite. Bon, qui est out dernièrement? On a eu Azix Kendir, Artis et Kocho. Putain, mais... Kocho et Azix. Et du coup, ce sera Lars et Razi. On va spec un petit peu Firestorm. J'ai bien envie de voir ce que ça donne des... J'ai hâte de le spec sur la troisième map. Hein. Moi, je pense que ça se joue... J'ai call au début que ça se jouait entre Firestorm et Riolu. Hâte de voir. Tricky, très chaud. Alors, ça fait quand même 3 rounds de suite où il est avant-dernier ou avant-avant-dernier. Donc, je dirais pas très chaud. Je l'imagine dire « Wesh, madame, je t'ouvre la porte si tu veux. » Ah non, je demande... Je demande très gentiment. Je demande très gentiment. Tu m'as déjà vu dire wesh? Bon, ouais. Ouais, tu disais très chaud dans le sens. Ouais, parce que tricky très chaud, je me dis, mais. Il a step up d'un coup. Très bien. Et bah Firestorm, même pas premier. Ah, peut-être. Est-ce qu'il... Ah, il chope la gear avant. Je suis pas sûr. Et j'avais call. J'avais call Firestorm premier. Ah, et tricky. On en parlait, qui termine 21ème. Tricky très out. C'est quoi? Padabam bam. Alors on va regarder Clem un petit peu. Ou je sais pas si vous avez un joueur que vous voulez que je spec, dites-moi hein, parce qu'on est là pendant un petit moment, la top 20. Deux personnes out jusqu'au top 10. Donc on a clairement le temps. Je peux regarder qui est dernier. On a Lucky. Est-ce que tu vas faire la CMCZ? Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est la CMCZ. Donc je vais directement te répondre non. Mais là je vais plus faire de cup jusqu'à la ZRT je pense. Ou peut-être des cups en autre train, mais sinon... Il y a peut-être la Centauri que je ferai en autre train. Ça peut être marrant. Tu fais la WMXGBU. Alors j'hésite encore. J'hésite encore. Parce qu'on m'a dit, on m'a dit du bien de la WMXGBU. Mais Oh Lucky qui passe sur la fin. Très bien. Egger. Avant-dernier. On a Warp et un autre joueur. Que... Snowman. Du coup. Lucky chanceux, très bien. Et Dizrod qui était pas loin d'être out, hein.
Ah, il passe la guerre avant d'aller sur l'off-road, c'est pas débile. Spec Wizard. Wizard. Ah mais s'il est out maintenant, c'est ta faute. Hein. Je te le dis. Hey yo team. Pour l'instant, Wizard qui se débrouille hein, en dirt. Mais je crois que c'est un joueur dirt. Je vois. Il se débrouille un peu en tout. Dirt et tech. Ouais. Ouais, ok. Kaito. Kaito. C'est ta faute. C'est pas l'œil de Yannick, c'est l'œil de Kaito. C'est lui qui m'a demandé de le spec. Bon, qui est la prochaine victime? Atox c'est pas là au fait. Non, il veut garder son... Comme ça, il peut dire, j'ai participé à la dernière TTC. Non, à la dernière TTC Dirt que j'ai fait top 4. Il peut dire ça. Non, moi, je vais aller... Je vais dire... Taurus, il est out. J'aime beaucoup Taurus. Mais je pense qu'il est out. Je sais pas pourquoi. Plusieurs fois, il était dernier sur des maps d'avant. On a déjà des gros fails. Le kick est pas parti. Bah alors Lucky. Putain, j'ai hésité entre Taurus et Lucky en plus, je suis dégoûté. No joke, ils étaient les deux là. Et je me suis dit bon, Taurus. Ouais, il y a deux out, mais il y a Itachi qui est assez loin. Et là, cette transi qui peut faire des ravages. Oh, tout le monde passe bien. Par contre, il y a vraiment un fight pour la dernière place. L'avant-dernière. Oula, Rocket, Rocket. Rocket qui est 15ème sur 16. Il faut absolument... Là, il y a un trick pad à faire, là. Ah, je sais pas si il a réussi à avoir la gear. Ça a l'air d'être pas mal, ça va se jouer sur le dernier turn. Est-ce que Marcin peut perdre la vitesse? Non. Quelqu'un peut rater le dernier jump? Et non, ce sera Rocket, c'est si close. Aïe, aïe, aïe. Perdu mes gears. Alors, en plus, c'est faux. Il a tapé ici, le CP. Ou il a tapé ça, je crois. Je l'ai vu taper ça et il dit perdu la gear. N'importe. Bon, on passe du coup sur Itachi qui avait pas un très très bon start. Comment on rejoint? Alors malheureusement on peut rejoindre que à 20h. Là c'est trop tard. Ça démarre à 20h avec 180 joueurs. Et ensuite ça dure 1h45 on va dire en général par soir. Hey yo, Wizard. Kaito va me le payer. Alors, entre nous... Entre nous... T'as raté le tout dernier turn, t'as perdu ta gear. Et du coup, t'avais pas la speed pour le hard fin. Donc, est-ce que c'est vraiment la faute de Kaito? Oula, Dizrod. Je pense que Dizrod remonte. Il est actuellement dernier, est-ce qu'il peut remonter sur Itachi et Julien qui sont juste devant lui? Il a tenté de garder la guerre, mais je pense qu'il a dû amorcer son try. Oula, un petit peu intérieur pour Dizrod.
très très bon joueur d'Heart qui s'est révélé début de l'année, j'ai envie de dire, Dizrod, qui a été repéré par, par Fox Ubi. Mais malheureusement, pas d'erreur apparente de la part de Julien Itachi devant. Ce sera Itachi qui sera out. Julien qui a réussi à passer à 1 millième devant. Un petit millième, Julien, sur le dernier turn. Et c'est passé. Et du coup, on va regarder Julien, mais effectivement, Dizrod, fini combien je crois que j'étais 33e. Mais ouais, j'ai pris un sale slowdown avant, avant un looping, et du coup, c'est mon erreur, hein, tout à fait. J'ai grid, grid le airtime, et du coup, je suis raterré sur le côté de ma voiture. J'ai pris un slowdown avant le looping, j'ai pas pu faire le looping. Et j'ai respawn un peu tardivement. Pour l'instant, le joueur XS des Bros VR, Julien 36, qui s'en sort plutôt bien, il va hit le CP. On va voir combien de tièmes il est sur 12 joueurs au niveau du CP. Il est 9e, donc on a quelques personnes derrière. On a Spam qui est en danger. Riolu et Spam avec Julien, Julien qui s'est fait dépasser par Spam, mais Riolu qui est actuellement 12e. Et on va regarder le fight entre Julien et Spam. Est-ce que Julien peut aller chercher Spam sur cette fin? Il va perdre la gear ici, ça va être compliqué de remonter, peut-être une touchette. Ouh, la belle remontée ici de Julien, et Spam qui va faire l'erreur, et ce sera les deux streamers, Spam et Riolu, out dans le même round. Incroyable, mais vrai. Et du coup, on a notre top 10. Et maintenant, on n'a plus qu'un éliminé par round. Et on a encore deux rounds sur cette map. TMGL player. Top 5 et 6 de la TMGL, effectivement, qui sont en même temps. Pas de calls du coup, exactement. Exactement, Dan. Après, je sais pas s'ils sont en vocal ensemble, mais... c'est vrai que j'ai tendance à être... C'est un peu un gros avantage. Quand un des deux... Ils sont souvent en vocal pendant un TTC, Riolu et Spam. Et quand il y en a un des deux qui sort... Bah, par exemple, là... Si j'avais, je sais pas, Taurus en vocal avec moi... Je pourrais lui dire, ouais, t'inquiète, t'as Bresso qui est derrière. Ouais, Bresso, il a touché, t'inquiète. Ouais, t'es dans la merde, là, Taurus. Non, mais... ouais. En tout cas, on a... On a Yosh, Julien et Bresso qui tentent de survivre du mieux qu'ils peuvent. Est-ce qu'on peut passer sur Yosh, peut-être? Non, Yosh, il va passer devant... et là, on joue vraiment pour la 10ème place. Il y a Taurus, Taurus qui se fait rattraper un petit peu sur cette fin. Yosh qui a mal pris, je crois, qui se retrouve un petit peu derrière. Pas d'erreur devant, j'ai l'impression. Sur le dernier jump, Bresso, Bresso, Bresso qui rate son dernier jump. Bresso qui a grid le airtime. Sur cette fin, il a... Je sais pas pourquoi... Il a été chercher ici cette petite bosse, un petit peu trop à droite, et du coup il a tapé ici. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Du coup on se retrouve avec le top 9. Yosh qui avait un petit peu de peine. Pour l'instant c'est très paqué. J'essaie de... voir Firestorm un petit peu derrière, mais je pense que il va... Il a tout à fait les capacités pour remonter. Et Julien qui nous prouve qu'il a été quelques fois dernier, mais sur cette map, il s'en sort même très très bien. Il est premier actuellement. Je vais regarder qui est derrière pour l'instant. On a Shorty. On a Marcine aussi. Marcine, malheureusement. Qui est en 9e position. Il doit attendre. Il doit attendre une erreur. Tu utilises quel bot sur Twitch, Nightbot? J'utilise Streamlabs Chatbot.
C'est pour ça que Darigan, une fois, t'avais voulu dire les commandes à Vertigo, sauf que non, c'est pas les mêmes commandes que Nightbot, donc c'est ça. Quel avantage de stream avec Streamlabs plutôt qu'OBS? Il y en a un de mieux. Pour débuter, c'est bien mieux, je trouve, Streamlabs, qui est beaucoup plus clair, on va dire. Et merci beaucoup Tricky pour ton 7e mois. Et j'espère que tu vas bien après ce top 21, je crois, hein, TTC Dirt. Mais oui, Streamlabs est beaucoup plus intuitif, c'est le mot que je cherchais, que OBS. Du coup, je te conseille. Salut champion Yanexi. Je te conseille Streamlabs. Par contre, ça a remis. J'avais changé. J'avais changé l'alerte. Abonné. Contenu multimédia. Sérieux, c'est quoi maintenant? Ah bah il faut resub pour ça. Ah mais les resub. Non, je sais pas. Ouais, je sais pas pourquoi ça marche pas. Par exemple, là, si je teste un abonnement. Ah, j'ai spoil. This is a test. This is a test. Mais apparemment, ça marche pas. Et du coup, le bro Julien qui termine 8ème. C'est bête, je voulais subgift. Ouais, c'est con. C'est vrai que maintenant tu peux plus subgift. Alors. Yosh qui a terminé avant-dernier juste avant. L'annonce de sub voulait insister sur le fait que tu es un champion pour ça. Non mais le problème tricky c'est que mon alerte de sub est copyright. Et du coup sur YouTube, ils me disent que je peux pas utiliser. C'est pour ça que je change. Et du coup je trouvais bizarre que ce soit l'ancien son. Alors que j'ai techniquement changé. Mais je verrai sur le dashboard OBS plus tard. Yannou et son appel à l'argent, c'est beau. Ah non, 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 non. Je fais jamais d'appel à l'argent. Ah, ils vont pas chercher le bleu, certains. Et ce sera... Egger, qui est out 7ème. Une Exotica qui a eu de la peine sur cette map. On va essayer d'un petit peu plus se concentrer sur le fight. Le fight de ne pas être dernier. Et merci beaucoup à Dan de Subgift Rocket. Mais du coup, je sais pas pourquoi ça met l'ancien son. Non, ça marche pas. Mais j'irai voir ça plus tard, t'inquiète pas. En tout cas, merci beaucoup de ton gift sub. Et là Nixotica qui n'aura pas la speed et qui va directement même pas, non il n'y a pas d'elle. Ah bah il va give up. Alert sub égale alert resub. Bah il n'y a pas de,
Justement, message de réabonnement resub, c'est exactement la même, le même contenu multimédia. Donc non, ça devrait pas poser problème. Tu vois, c'est bizarre. Coupera le son à ce moment-là, c'est tout. Ouais, mais c'est chiant à faire. Ça veut dire que je dois re-exporter la vidéo. Et du coup, ça me fait perdre une heure à utiliser ma CG pour exporter la vidéo. Mais NP, t'inquiète. C'est pas ta faute. Du coup, ça passe pas sur YouTube. Si, si, mais je dois juste, justement, comme a dit Dan. Je dois. Normalement, je record et je mets le record sur YouTube. Sauf que là, je dois ouvrir le record dans Bidule Truc, dans Adobe Premiere, sélectionner le passage où il y a le resub, couper, muter la vidéo, et ensuite la re-exporter. Et ensuite la mettre sur YouTube. Du coup, elle perd un peu en qualité parce que je dois à chaque fois la... Je sais pas comment on appelle ça. La re-exporter, plus il y a d'export, plus tu perds en qualité. Bon, bref. Je m'en sors pas trop bien là-dedans, mais c'est pas si grave. C'est mon erreur, anyway. Non. Y a pas un éditeur dans YouTube pour faire ça? Oui, sauf que c'est après que tu l'aies upload. Et ça full bug pour moi, c'est-à-dire que quand je vais dans le montage sur YouTube, ça me met... vidéo en cours de traitement pour toutes les vidéos. Du coup, j'ai pas le droit au montage sur YouTube. Mais t'inquiète, c'est pas grave. Tellement gratuit pour Firestorm s'il troll pas. Il est vrai que... Il a des adversaires. Ça va, quoi. La Taurus qui est un petit peu derrière. On n'est plus que 4. Yosh qui prend les devants, mine de rien. Donc, Firestorm qui peut... Potentiellement... pas finir premier. Taurus, je le sens, il va win. Ouais, non. J'aime beaucoup Taurus, mais... Je pense pas. Surtout sur la deuxième map qui n'est pas sa map du tout. De ce que je me souviens, je l'avais beaucoup vu dans les dernières positions sur la map numéro 2. Après la Firestorm, perd un petit peu de temps. Après peut-être qu'il safe parce qu'il sait que il a de l'avance, je sais pas. Et du coup Taurus qui se fera éliminer sur ce round là. Et une quatrième place, c'est déjà très très bien. Taurus. Je me demande si ce serait pas la troisième de suite en dehors pour Firestorm. Je sais pas. Je crois pas. 1000 balles sur Yosh. Oula. Bah 1000 balles sur Firestorm. Ah bah je vais spec Yosh du coup. Tu peux pas duel 1000 Dan, c'est que 50. Par contre Dirty, tout le monde s'en rend. Oula Yosh. C'est particulier mais ça fonctionne. Après, Firestorm, il est pas si loin devant que ça. Enfin... Ouais, il était très très close dans la montée. Disons que là, un choke et Firestorm... il est... Ouais.
Là, rien n'a encore joué. Et Dirty qui tient sa deuxième place. Oula, Yosh des trajets un petit peu bizarres. Il va perdre pas mal de vitesse ici. Pas eu la gear. Il reste plus que la fin. Est-ce qu'un des deux joueurs peut fail devant Firestorm et Dirty? Ce sera pas le cas et ce sera Yosh qui sera out. Et maintenant le fight entre... Par contre, il n'y a eu que 30 millièmes entre les deux joueurs. Donc Dirty a tout à fait ses chances. Alors, est-ce que Dirty peut tenir face à Firestorm, qui a été impressionnant tout au long de cette TTC Firestorm. Beaucoup de premières positions, très très rapide. Du coup, Tricky, tu connais mon PayPal. Hein. Faron n'a pas de Bix. Si, si. C'est juste qu'il a moins... Il doit avoir moins de 79 000, je sais pas. Non, je t'ai envoyé un K-Planet hier soir. Non, 1.5. Non, non, c'est 1.5. Mais envoie-moi via Ami, c'est beaucoup plus simple. Parce que là, j'arrive pas à savoir combien j'ai eu hier, en fait. Mais je te fais confiance. Et du coup, GG à Firestorm qui gagne cette TTC Dirt numéro 16. Map de Parallion avec 3 grandes maps. Et voilà. Dommage pour Riolu d'ailleurs, qui était deuxième pendant un bon moment sur, sur la plupart des maps, mais il a fait une grosse erreur et ça lui a coûté. Je crois qu'il a fini au final en même temps que Spam, donc je crois 11 et 12, si je me souviens bien. Ciao, ciao à la mode. Et aussi au revoir à YouTube, j'espère que cette VOD t'a plu et à bientôt.